Gros bonsoir pour tout auditeur, téléspectateur, radio, téléproche. C'est avec un pile plaisir pour nous retrouver après-midi dans le cadre premier numéro proche au stade. Pour ce maintenant, jeudi, c'est lundi 12 septembre 2022. Oui, c'est lui, alias Bonflanet, c'est lui-même qui a mis tout bouton technique yo, sous supervision Yves Nakola. Coordination Dr. Yves Boissonnière, rédaction Joseph Henri Elmont. Et dans micro, c'est Zagalo plus moi-même Datini Massé. Actualité sur le plan international, nous allons parler de information football transfert. C'est officiel. Diego Costa li signé dans l'équipe Wolverhampton. Nous avons parlé de Gavi qui est capable de prolonger le contrat avec l'équipe FC Barcelone même avant trêve internationale. Et puis nous avons parlé de l'équipe Cadiz. Dans 5 championnats, Moun Plus Gade, c'est celle équipe qui peut marquer un green goal après 5 journées dans le pays, l'Espagne. Et puis, nous avons parlé de Ada Touron, Tuxa, qui mettait fin à carrière professionnelle. Et puis, nous parlons dans Ligue 1. Ligue 1, c'est 7e journée qui était à l'affiche. Équipe Paris Saint-Germain. Ligue 1, équipe. Breslan, dans Bundesliga, équipe Bayern Munich là continue pas gagner 3 matchs consécutifs. Dans Liga espagnole là, équipe Barcelona depuis et quelques années pas arrivé bad équipe Cadiz là et dans week-end là, yo souri côté que yo gagne équipe Cadiz là en déplacement ainsi que équipe Real de Madrid là gagne. N'a pas vienne parler de série A italienne là. Équipe Juventus de Turin li teni en échec par Salernitana. Et puis nous avons parlé de deuxième journée Ligue des Champions. C'est pour demain. Gagné équipe Barcelone qui a en déplacement la CAIA Bayern Munich. Nous avons vu toute affiche Cap Gebouffet dans la première partie. Deuxième journée Ligue des Champions. Et nous avons parlé de plusieurs autres informations encore. C'est ça, on a pu nous capables à parler de première sortie émission proche au stade pour ce maintenant. Oui, c'est lui Zigzag Zagalo Datini Massé, n'a fonti campé, n'a pas tourné. L'information est un savoir, l'information c'est le pouvoir. Radio Téléproche vous permet de comprendre, d'entendre et de voir le monde, le pays et votre entourage. Dans une quête d'objectivité permanente, chaque jour, les nouvelles sur Radio Téléproche vous transmettent le vrai pouvoir. 7h AM, midi, 7h PM, nous vous développons l'actualité avec la meilleure équipe sur le cadran. Sur tous les médias modernes, radio, télévision, réseaux sociaux et plus, accrochez-vous. Le monde tourne continuellement. Radio Téléproche, la stabilité sur la balance de l'actualité. Chaque jour, sur la radio du sport, les stades se remplissent pour la meilleure émission de synthèse des compétitions physiques et mentales du monde entier. Football, volleyball, basketball, cyclisme et autres. Réservez votre fauteuil chaque jour dès 3h PM sur les pelouses de la radio Téléproche 99.9 FM et chaîne 12. Joseph Henri Elmont, Villiers Wagna, Maître Lions, coach Zagalo, Adelson Guinito Junior vous convie à proche au stade. Courez, dribble. Restez connecté avec les superstars du sport mondial. Tout ce qu'il faut savoir sur les vedettes internationales, nationales et locales sur Proche au Stade. Proche au Stade, votre émission sportive. Yes, qui gagne une centre formation professionnelle, une fondation à l'Académie de football, dit tout le monde.
monde qui connaît habitué Sipotel dans projet éducation et sportif Lio. Merci, merci, merci. 2021-2022, 253 ti monde bénéficiaient des services nous. Rêve nous pour année 2022-2023, c'est encadrer plus que 500 ti monde. Mais j'en la vie encore d'école là. Nous pas capable kembe si nous pas joindre bon parrain pour ti monde. Ou voulez parrain, ou ka fait un don de $320 US ou bien 40 000 goud pour toute une année et puis ou ressusciter une fille parrain. Ou ka fait ça en trois versements. Aidez-moi s'il vous plaît, pour pas varier, pour pas tourner un rejet dans société. Yon parrain égal yon vie meilleure. Donc yes, ouais non ça. Relé donc yes dans 36 88 88 23. Si ou l'autre bodlo, numéro zèle ou cachap nous, c'est 561 788 94 04 ou bien fait transfert direct pour DESSAINTWISLEY. Donc yes dit nous, l'avenir d'abord, les enfants d'abord. Comme ça, nous ka gagner un pays extraordinaire. Sak pase? Na bouile. Bonsoir zami myo. Mwen ta vle pale kreyòl ayisyen miye. Tout moun sou la tè bezwen pale kreyòl. E ou menm? Ou pa ta ranmen pale l tou? Lang sa. Lang ki gen bèl pwezi. Lang ki gen bèl pawòl. Bèl istwa. Bèl pwovèb. Lang ki pou fè ou tou. Lang ki gen bèl mousik. Moussali, ki ka favorit nan wolou. Tan kou sa zan set nyo, te kon kalon ne golon blan yo. Tan kou sa kasa yol, te di pef la. Esko kon palil? Esko vle palil? Esko kon ekril? Esko vle ekril? Fida fem, nou pral dezabye lan nan. Nou pral dekotike lan nan. Nou pral ekri lang nan ak lingwis Adeli Tapolinis e ou menm piblik la. Nou kon de palel, konnen nou pral palel. Nou kata de vwa nou kap di, nou reme lang maman, tokou nou reme Ayiti. Nou pral blayil tout patou e menm pi lwen sou tout linive, radio, televizyon, internet, veye lang nan tout patou. Nous retournons après pause là, amis sportifs de la radio Téléproche. Gros bonsoir pour nous toutes, nous très contents ensemble avec vous. Après-midi, dans le cadre de la première sortie émission Proche au Stade pour ce maintenant, nous avons appris que Proche au Stade c'est une émission sportive qui passe sous antenne radio Téléproche. Sorti lundi pour arriver vendredi, depuis le fait 3 heures pour arriver. 4 gens que nous tap dit là, c'est lui alias Bon Flandin, c'est lui même qui gère contrôle tout bouton technique yo sous supervision Yves Nakola, coordination docteur Yves Boissonnière. Rédaction Joseph Henri Elmont et Nami Koyo, c'est Zagalo plus moi-même Datini Massé. Nous va arriver joindre professeur Zaga, comment nous non? Nous en forme Datini, donc nous pour aller. Donc le début laisse arriver, c'est pour juste agrandir la KO. J'espère que tout auditeur avec téléspectateurs internautes ont branché dans en forme. Et nous souhaitons bonne besoin et puis bonne écoute. Oui, bonne écoute à tout le monde, surtout si la SAO qui a pas suivi nous sur 99.9 qui sera du 1.
chaîne 12 pour télévision 1 et gagnien qui a suivi nous sur Facebook l'entour et avec radio Téléproche Haïti. C'est le cas de Miguel Fils Alcius Nek Masson, Gemas Rose Del qui branché radio Téléproche. Mas Del donc nos amis moi donc qui là donc c'est une institutrice donc qui a fait l'école en Carabella donc qui c'est un mordu de football. Qui pas jamais connait donc qui devine à celle là tout. Ah ya. Yes. Nous saluons très fort. Et qui te nous saluer Laurence Dutreuil qui branche radio Téléproche et Wilmo Jean a fait par nous gagner Edvan Antoine qui branche radio Téléproche. Jean que nous connaissons, c'est abonner, partager, like et puis commenter. À chaque fois que vous partagez, c'est vous motiver nous en plus pour que nous capables continuer sacrifier nous. Pour nous porter info pour même la caillou coach nous parler avec développement actualité c'est surtout sur le plan international puisque échelle nationale là est pratiquement pas gagné. Sur le plan international nous parler de football transfert avec Diego Costa monsieur qui c'est un hispano-brésilien monsieur c'est on capable dire c'est un brésilien de naissance mais par la suite qui d'abral gagné nationalité espagnole d'ailleurs c'est couleur sélection espagnole là que monsieur a porté n'a parlé de Diego Costa monsieur là qui signé avec équipe Wolverhampton monsieur était libre de tout contrat et après des parler dans équipe Atlético Mineiro dans pays Brésil et gagné première ligue là qui validé transfert monsieur après plusieurs jours de négociations et yo finalement accordé permis de travail là à Diego Costa monsieur qui pral évoluer et il a retourné puisque monsieur était dans équipe Chelsea après 5 ans monsieur retourné et dans première ligue là on a rappelé que monsieur ligue des titres avec équipe Chelsea monsieur était joué 89 matchs monsieur marqué 52 goals. Ça veut dire possibilité pour monsieur augmenter contre le capital goal li dans championnat d'Angleterre là communément appelé la première ligue et bien Diego Costa monsieur qui retournait dans première ligue là qui était pas dans Chelsea mais qui va porter couleur équipe Wolverhampton là monsieur Vini c'est surtout pour lui capable venir remplacer Sasa Kali et Kalajdzic monsieur qui victime de un ligament croisé et rupture de ligament croisé antérieur du genou gauche. C'est pour ça monsieur qui vient remplacer et n'a parlé de Diego Costa qui vient remplacer Sasa Kalajdzic dans équipe Wolverhampton. Nous a quitté Diego Costa, nous pral parler de FC Barcelone avec Gavi Paes et jeune joueur ça très prometteur. Et bien là et par un petit temps qui pas trop long monsieur pral gagner pour capable prolonger contre Ali avec équipe FC Barcelone. Barcelone surtout a anticipé, c'est parce que Liwe gagne des équipes et européennes qui surtout équipe City, Chelsea, et ben Gavidou, oui, café et Gavidou, et ben il a besoin blender et monsieur en surtout avec renouvellement contrat ça et selon journaliste Fabrizio Romano, monsieur qui sont spécialistes dans affaires transfert, eh ben monsieur n'a parlé de Gavi, monsieur tout proche pour être capable prolonger contrat avec équipe FC Barcelone, c'est jusqu'en 2026 coach. Pour moi-même, c'est un bon affaire pour équipe FC Barcelone. Ils sont très bonne affaire parce que dans Barcelone, monsieur habite en pile équipe Barcelone, monsieur joué avec Barcelone donc monsieur nous garder certains temps monsieur titulaire avec l'équipe Barcelone non et monsieur fait de très bonnes passes et donc Barcelone gagne je dis là c'est un joueur que Xavi est capable miser sur lui ouais et dans l'équipe ça parce que le gars et Busquets Sergio Busquets c'est pas un monde vrai ou capable compter sur lui journée aujourd'hui par rapport avec l'âge et monsieur et d'ailleurs monsieur pas gagne rien pour le prouver dans jouer ça encore et avec et Gavi et là gagne une équipe pour gagne Gavi ou gagne Pedri ou gagne Frenkie de Jong Ansu Fati et une équipe jeune
une équipe jeune, ça veut dire que Zavi là et m'pense dans quelques années encore là monsieur est capable de retrouver équipe que lui-même il était participé et dans les années capable dit 2000 et s'il prend Zavi dans équipe ça ils font pile dans équipe FC Barcelone non et dans équipe Barcelone non en 2009 tout 2005 monsieur dans équipe ça ouais. Les Barcelone a champion 2006 dans Ligue des Champions et avec génération et comment anglais ça maintenant équipe ça comment Ole Gwell sont hollandais monsieur et c'est hollandais ya les ça Giuliano Belletti les ça au bat Arsenal quoi c'était 2-1 2-1 avec et tout dans équipe ça Ronaldinho et tout ça avait dit Xavi il était dans équipe ça tout et me pensais que monsieur là avec jeune joueur ça et qui très talentueux yo capable porter Kishoy ak équipe FC Barcelone nan pou n fini et ben Gavi li sou route pour prolonger contrat jusqu'en 2026 ak équipe FC Barcelone. Et puis nous a parlé de Ada Touran coach et monsieur cap quitté et qui quitté football là oui, football donc, professionnel là n'après monsieur qui 35 ans même trouvé monsieur ans, qui allait très vite. Bon, c'est monsieur qui était ça. Monsieur qui était ça et monsieur qui sont tuc, ancien joueur Galatasaray, ancien joueur Atlético de Madrid, c'est là que tout le monde d'abord et monsieur t'a pas l'exploser et n'a pas aidé Ada Touran et par la suite qui t'a pas quitté équipe Atlético de Madrid pour rejoindre l'équipe FC Barcelone. Pour moi même et monsieur t'a échoué. Dans venir l'équipe FC Barcelone non à 35 ans monsieur quitté football professionnel déposer les hommes oui monsieur raccroché crampon li n'a pas appliqué monsieur gagne en Europa League il gagne deux super coupes d'Europe il gagne deux Liga il gagne une Super League trois coupes du roi deux super coupes d'Espagne et une coupe de Turquie et une super coupe de Turquie quand même oui c'est bien non? Son galon palmarès c'est qui bien donc qui riche donc on a dit ça non. Et là, c'est et Ada Touran ou sorti en Turquie ou tout ça, c'est quelque chose quand même. Ada Touran qui quitte le football professionnel. Là. Nous allons aller dans la Ligue des Champions, coach. Oui. Ou bien est-ce que nous allons parler de championnat et majeur européen? On a quitté la Ligue des Champions. Nous allons dans la Ligue des Champions. Nous allons aller dans la Ligue des Champions. On a parlé que la Ligue des Champions, c'est pral et deuxième journée en coach. Deuxième journée Ligue des Champions. Et demain, là, dans l'heure comme ça, et tout le monde pral focus sur FC Barcelone, lui-même qui gagne rendez-vous et cap déplacé, oui, et match falant. Barcelone a dit, je passe en Ligue des Champions. La main déjà yo fait premier tremblement et Robert Lewandowski joue un accueil chaleureux dans le public là et il a préparé monsieur Cap retourner et dans Allianz Arena pour aller jouer contre équipe Bayern Munich là pourtant monsieur qui font bon bout de temps et a évolué sous couleur équipe Bayern Munich là c'est ça où il est un génie. Oui. C'est ça où il est un génie. Eh ben et à n'importe quel moment côté Rolo là ou supposé aller il boit le bail service ou il suffit que c'est dans branchou. C'est dans branchou. Effectivement Robert Lewandowski eh ben demain là monsieur va jouer contre équipe Bayern Munich là. On Barcelone qui est très en forme donc cap cacher du feu. Mm-hmm. Et puis on Bayern qui en demi-teinte. Oui. Trois matchs nuls, une des lots dans Bundesliga. C'est faut remonter longtemps ça pour une équipe Bayern Munich. Une équipe qui fait trois matchs nuls. Une collé à l'autre, ni la Cali, ni en dehors de la Cali. C'est compliqué. Si c'est vrai que il était dans première journée Ligue des Champions, c'était face à Inter. Il était gagné équipe Inter de Milan, c'était 2-0 le gol de Le Wassane mais et donc deuxième gol là c'est ton bijou donc on double 1-2 donc ça veut dire c'est yo bail les remettre yo bail encore là fait gol là donc ça fait un double 1-2 c'est bien c'est ton bel gol. Oui coach on va afficher cap gagner demain yo, après on font tirer aller surtout pour match sous match et Barcelone et contre Bayern Munich et demain on a rappelé que et c'est pour la deuxième journée, c'est première partie deuxième journée. Hein?
Et à midi 45, gagne Victoria Pulsen qui a recevoir équipe Inter de Milan. Inter de Milan, Victoria Pulsen, c'est lui-même qui n'a pas là. Oui, c'est Victoria Pulsen, Inter de Milan. Et puis FC Barcelone, Barcelone qui t'a gagné la CAI Victoria Pulsen dans la première journée. Ça veut dire que c'est deux perdants qui vont jouer et puis deux gagnants qui vont jouer. Ça veut dire là, le groupe est capable de relancer, surtout pour l'équipe qui t'a perdu dans la première journée. À midi 45, Victoria Pulsen gagne rendez-vous avec Inter de Milan. Gagné, ça est dans le groupe C. Dans le groupe D, gagne Sporting Portugal et cap joué face à Tottenham. Et c'est dans le groupe D. Tottenham qui a fait une victoire. Tottenham a gagné, Sporting a gagné. Donc c'est gagné. Donc c'est deux vainqueurs. En déplacement et Sporting a gagné. Oui, Tottenham a battu Marseille. Marseille. Et puis coach gagné Bayer Leverkusen et Jean-Claude Dabdilan dans le groupe C à Bayern Munich a joué contre Barcelone. Match a aussi à 3-1. Gagné Bayer Leverkusen dans le groupe B1 a joué Atlético de Madrid. Alors, Atlético de Madrid qui a fait 0 goal partout face à FC Porto. Et dans la première journée. Hein. Et puis, il y a FC Porto toujours dans le groupe B1 qui a recevoir l'équipe et Club Bouge. Là. Club Bouge. Et puis, dans le groupe D1, il y a Marseille qui a joué face à Intra Frankfurt. Non. Et Atlético de Madrid n'a pas de battre Porto. Atlético de Madrid Porto. Je me souviens que c'est le match qui a battu goal là-dedans. Bon, de toute façon, on a gagné pour nous. Bon, c'est nous pas même gagné, c'est même en bas live là. Il y a balle. Et puis gagné match Glasgow Rangers qui était supposé recevoir équipe Naples. N'a pas les Glasgow Rangers qui c'est une équipe écossaise. Et ben là, concert avec UEFA et match ça et sous demande Glasgow Rangers, match ça reporté surtout avec la mort reine Elizabeth II. Et qui passait de vie à trépas après 70 ans de règne. Et bien là, qui passait de vie à trépas. Si je ne me trompe pas, donc demain, il a quitté l'Écosse. Mm-hmm. Parce que jusqu'à maintenant, donc, c'est en Écosse. Quoi. Parce qu'il était mort, balle morale, dans un gébé, il a transféré dans Edimbourg. Et il y a un paquet de cérémonies qu'il a fait avant pour le quitter pour le jeune. Là. Demain, si Dieu veut, là, il y a un jour de et pour surtout pour l'État Commonwealth. Oui. Et c'est ça, mais IFA lui-même lui décidé de repousser Maxa, qui était supposé jouer demain, mais Maxa lui reprogrammé, c'est pour mercredi à 8h. Et justement, à 4h, disons, à 3h. Et excusez, là je même l'ai avec Tocouban Real Madrid, Paris Saint-Germain et autres. Antoine, non, coach, mais juste avant, quittez nous saluer Jacob Mancelin, et qui là, Gelebson Lucien, et Negmasson. Jean-Baptiste qui là. OK, gagne Edvan Antoine qui dit nous Atlético de Madrid te bat 2-1. Deuxième match. Nous sommes joués ça, c'est Lisbonne. Merci Edvan Antoine. Nous sommes joués ça. Nous connaissons à qui nous en a fait. Gagne Jean-Jacques Gerson qui a ben rejoint nous. Saluons très fort Jean-Jacques, salut famille pour nous. Et coach, on allait dans Bayern Munich FC Barcelone. Et j'ai vu Bayern donc les mais c'est vrai Bayern une équipe qui va surprendre tout le monde. Et qui gagne que ça qui veut Bayern le collectif là pour qu'on fin à point. Et vous sentez tout départ Lewandowski hein, il frappe très fort. Et puis il pas voulu mettre Mané dans poste là, dans poste de sélectionné qui c'est dehors, qui s'est excentré. Il préfère Axel. Et malgré ça nous pas gagner non, nous c'est là que nous pouvons monsieur qui sont grand joueur. Nous ça jouer mais nous croit que si était mettre monsieur dehors il a fait mieux donc que s'il n'a qu'elle l'a joué dans plein axe dans axe ça mais il faut que nous vraiment et gagne un peu le problème au niveau de défense par une Munich là moi trouvé il pas trop serein parce que dans le match que le gagne hein, et il était pas un peu le problème surtout obligé de venir avec Upamecano qui pas en foot de guerre dans Bayern laisse à désirer surtout les balles dans le ballon parce que ça qui dérive parfois donc non devant c'est parce que Inter surtout dans le long balio les offres relations Mauricardi et
et là regardez là autant tirer c'est pas un pile problème et que les combats qu'il fait tout le temps normalement des ballons dans en mi-temps de deux fois c'est et puis le défenseur central n'a pas jamais accompagné lui donc il y a toujours un espace où pour aller. Moi je crois que il faut que Barcelone tout parle de Messi sur lui parce que yo gagne assassiner Barcelone tout n'importe qui là. Allianz Arena. Et puis Neyo dit que pas gagne aucun problème parce que il fait près de 9 ans 10 ans avec Lewandowski donc il connaît Lewandowski comme le fond de leur poche. Mm-hmm. Je crois que c'est même Lewandowski. Il a plan anti Lewandowski. C'est même qui Aouyo. Donc là Aouyo pour le marquer mais quand même il n'est que d'attendre demain pour nous voir le résultat final là. Vraiment, et c'est pas un bel match demain. C'est pas un bel match. Et Bayern Munich contre FC Barcelone. Nous, équipe FC Barcelone, nous, jeudi, on a, et c'est une meilleure équipe qui gagne en Europe. Et surtout avec la Pléiade Acha qui a fait, ils ont acheté le Robert Lewandowski, ils ont acheté et Rafinha. Pour moi-même, dans tout Acha, ça a acheté Jules Koundé tout. Trois éléments, ça a. Je pense que au côté yo plus et pour équipe FC Barcelone là. Yo voto plus pour équipe FC Barcelone là. D'ailleurs nous ouais Rafinha lui-même et Xavier bal confiance, li quoi dans li tout. Li quoi dans li et pense que c'est à jouer un bel match. Oui, c'est un bel match. Et parce que un match que tout pour n'attendre. Yo Bayern Barcelone, c'est toujours et ça a toujours porté un pile curiosité. Non seulement Apton pour Machali répond à 4 ans. Oui, n'espérez que pas va gagner 8 goals encore. Mais malgré forme FC Barcelone, nous capable de dire qu'il est en pleine forme. Et puis on est capable de remettre en question et forme. Forme Bayern, non? Bayern Munich, là, sous ta gagne un avantage. C'est qui est sous ta balle? Bon, mais pas Bayern, parce que c'est. Nous sommes la Calédie, le Bayern, et puis. Pas oublier, dans l'année précédente, donc 2 ans, mais 3 ans, donc Barcelone, beaucoup de gens fait rien de face à lui. Et donc, au final, en demi-finale, ils ont 8 goals, ils ont 2 fois 4, ils ont 3, donc nous croyons que moi, Bayern est légèrement favori, même si je trouvais que le jeu Barcelone est mieux que je Bayern. Que je Bayern, non. Barcelone le donne ensemble mieux. Que équipe Bayern Munich là. Oui, ou senti que Barcelone c'est comme si et son équipe qui chita comparativement oui, avec équipe Bayern d'un côté Nagelsmann a toujours fait des arrangements, des ajustements, donc vous sentez Barcelone lui-même libre aller. Et puis dans tous les matchs il a deux là et en forme là Edouard Antoine. Une anecdote que il a ressorti l'autre jour, il a dit que match était 6-0. Il dit que le pape baille Barcelone plus que 6 goals. On parle de 8 à 2 là. De 8 à 2 là. Mm-hmm. Et puis continue pas là, continue dans la toilette. Tu le finis par contre, il met le là, donc il fait 2 goals. Il fait 2 goals, il met de la 8 à 2. Ça, c'est ton problème. Vous. 8 à 2, et Bayern Munich. Et nous sommes ça qui était battu équipe. C'était en 2020. Mais moi, je fais un défaut, donc pas qu'à. J'ai même quoi ça. Est-ce que c'est pas non, Ligue des Champions spéciale là. Et non et oui, Paris oui, là. Oui. Laisse ça me croire Laisse ça Paris fait finale. Il bat Paris 1-0. Et non et Bayern. Oui. Oui. Effectivement. Demain si je vais là, le concert football à Blaine et Allianz Arena à Munich, Barcelone a déplacé pour jouer contre équipe et Bayern Munich là nous a quitté et Ligue des Champions hein? Nous pour aller avec et formation ça et c'est surtout équipe et Cadiz là Cadiz c'est seule équipe dans 98 équipes qui gagne dans 5 championnats monde plus gardé yo. Il veut jamais gol. Cadiz poko jamais marquer un gol. Ah belle lettre. Cadiz poko joindre chemin filet et n'a pas rappelé que li perdit 1-0 là face à équipe Real Sociedad là.
pendant le Bamako gol là, il prend 14 goals. Osasuna bat li 2-0. Bilbao passe le 4-0. Gen Celta qui bat 3-0. Et puis Barcelone dans week-end là, ballon 4-0 en déplacement. Barcelone pas battre équipe ça depuis 2005. Ouais. Nous songe deux saisons qu'elle monte yo, l'elle pas battre Barcelone, il fait match ensemble avec lui. Ouais. Ça veut dire Barcelone pas jamais battre équipe Cadistan depuis 2005 et Barcelone qui eh bien remettait pied sous équipe Cadiz là lui-même pour diable. Et qui c'est seule équipe parmi 5 championnats monde plus gardé qui peut prendre faire gol. Oui, ou prend Liga, ou prend Ligue 1, ou prend Serie A italienne, ou prend Bundesliga, Premier League. Ah ben dans tout championnat ça yo, Cadiz c'est seule équipe qui poko marqué même yo grand goal. Pourtant équipe ça li déjà encaissé 14 goals et yo bon dernier dans championnat d'Espagne. N'a tout été dans championnat et européen yo, nous pralé ouais c'est lui nous pralé dans championnat italien. Coach, m'a connait surtout un match pendant weekend là. Oui, moi t'ai ouais match d'Espagne non. M'dal en Espagne, depuis passé Espagne m'était regardé. C'est l'Espagne m'était regardé plus parce que connait moi un grand fan de Real Madrid. Non, tout le monde connait ça. Moi t'ai regardé Real un match qui commençait non, Real t'a poussé. Et puis contre le coup du jeu, Real prend un goal, un coup franc. Un ballon excentré, donc mauvaise façon de Mendy. Mais ça a été joué de très tôt. De très tôt, 8h. Un coup franc, et puis mauvaise façon de Mendy qui toujours fait Real prend un goal zao. Et puis mis un coup de tête, pas de gaffe rien. Et c'était 1-0. Mais vous pensez aussi que Bob qui doit finir la bourre. Et puis il a dit continuer à pousser. Mais dans la fin pour un mi-temps, on balle un petit beaucoup d'argent recevoir. Et dans le cas il voulait les bailler Sebaos. Sebaos bail Valdez de l'équipe au ballon depuis dans le Real Madrid là. Il filait. Et puis il arrivait. Il feintait devant sa rébus. L'entrée mettait le ballon sur pied gauche, il mettait tir en rouleur. C'était 1-1, mais il fini 1-1. Mais il y a fait changement à ça vraiment pas répondre dans match ça. Attends que après match c'est le Didi, donc vaut mieux que utiliser Rodrigo de préférence comme faux neuf. Comme faux neuf et puis il a mis le des sous fond parce que c'est concentré au jeu et puis il commence à jouer et puis si je commence à réveiller lui et puis l'équipe a fait un bloc. L'équipe a fait un bloc, c'est ça que gagne équipe faut gagner. L'un qui fait bloc sous, donc il faut gagner. Si il y a des bons dribbleurs, donc on fait ça, et puis c'est ça qui fait. On dit qu'on peut récupérer un ballon, les dribbler. Donc comme on doit faire deux doubles crochets, donc ils sont mal terribles, et puis les bails Vinicius, il faut accélération, bah, Vinicius passe ça. Vinicius fait tel bras, les bails fait crochet sur lui-même. Donc, et puis il vient en face, la pied gauche, mais des ballons, c'est les 2-1. Ensuite, même on dit qu'on s'en encore, elle prend un ballon, donc tout seul. Il finit, il score tout seul et puis c'était 3-1. Il faut nous dire Vinicius était vraiment présent dans le match. Présent et puis il était imbécile d'eau, il provoquait l'adversaire en pile. Et il fait deux nègres prendre deux cartons jaunes, c'est un bail qui est dû. Et puis il m'a chauffé le public là vraiment pour en aller. Et monsieur qui finit meilleur joueur match. Et moi qui suis plein à cause de monsieur, puisque il y a Rodrigo qui marque un goal et qui baille des passes. Qui baille un passe décisif, qui font un goal. Mais il baille Vinicius dans la Liga Balin. Mais qu'on a là, est-ce que Vinicius a lui-même par rapport, c'est vrai qu'il n'a pas marqué goal, Jean-Claude dit là, implication là, jouet là, présence là. Ah oui. Et monsieur, il n'y a pas de même influence dans le jouet là. Non. Monsieur, l'aile gagne ballon. Et il crée espace. Si c'est vrai que l'autre type est en Rodrigo, il est plus direct. Mais c'est ça qui fait tout, par exemple. C'est. Par exemple, Vinicius, dans. Il y a un ballon, il y a un CNL. Deux mouns là, deux mouns là, etc. Et lui, il s'est dégagé, il est passé quand même, il est débordé autour quand même. Mais c'est ça qui fait Rodrigo, donc. Il fait relâchement. Il relâche pour Rodrigo, donc il n'a pas réussi à marquer au même jardin. Rodrigo son bon dribble, il est allé dans le bar espace, dans tout souris, il est allé dans le bar. Dans tout souris, il est allé dans le bar Vinicius, son passe. Qui vraiment
n'a dit et puis Ancelotti fait un gros changement, un gros coup de cadre dans les retirer Mendy, il fait Alaba passer à gauche et puis il mettait Antonio Rudiger. Il mettait Antonio, il mettait Antonio Rudiger. Même pas c'est Nabdi, il a fait un match là. Donc son coup franc presque exactement maintenant même position côté Real des premier gol là, équipe a été balle libre un gol là. Alaba fait centre là. Fait beau des coups francs et puis Rudiger mettait ballon dans gol là. Avec pied gauche, non, c'était 4 à 1, Real Madrid fait victoire. Est-ce qu'on ne peut pas penser que et utiliser ou est que Ancelotti pas voulait utiliser à la base au couloir gauche là? Est-ce qu'on ne peut pas penser monsieur à conserver surtout pour défense centrale là? Oui, j'ai l'impression que ça fait. J'ai besoin de 6 militaires qui là, non, il va pas avec Rudiger. Militaires blessé? Monsieur blessé. Mais il s'est retourné là. Il s'est retourné. Il s'est retourné dans des billets parce que quand il y a des billets, il a dit quoi hein? Oui, des billets, c'est très international là. C'est pour c'est une semaine, semaine avant, prochaine. Non, semaine prochaine. Tout de suite après les champions là, donc c'est pourquoi c'est Real Madrid. Je pense que l'équipe Real Madrid ça, et jusqu'à présent, il a bien joué. Bien joué. Hier, par exemple, il a joué avec, je dis c'était Valverde, Ceballos. Et puis Toni Kroos. Toni Kroos, yo qui était et Tchouaméni, après ça il monte Kamavinga. Et avec Ceballos vraiment qui a joué un gros niveau football. Gros niveau football. Yo fini par bail Ancelotti raison. Les désirs que Pigavon monsieur font que monsieur. Et puis nous pour aller dans nous pour aller bail résultat qui fait dans série italienne mais n'a tout arrêté dans série italienne là et puis l'autre hier gagne on fait marquant nous va aller dans côté dans l'Espagne là n'a dit et Atlético Madrid qui fait qui joue qui bail passer en 4 à 1 et avec pas sur une équipe là mais quand même c'est un gros Atlético Madrid super offensif Atlético de Madrid li bat équipe et Celta 4 goals, 4 goals à 1, donc c'est un gros match. Avec Correa. Correa. Qui joue une ouverture score à la 9e minute de jeu. Rodrigo de Paul qui font un gros goal. Et puis ensuite, je ne me souviens pas qu'est-ce qui marquait encore. Et puis Carrasco marquait tout. Carrasco, Yannick Carrasco. Et puis Unai Núñez qui marquait contre Col. Oui, donc c'est un bel goal. En nous, le résultat qui fait en Espagne, depuis un vendredi, ça a commencé. Gen Girona qui bat Valladolid, Real Valladolid, 2 goals à 1. Et en samedi, gen Rayo Vallecano qui fait tomber Valence, 2 goals à 1. Espanyol Barcelone tombe la Cali. Enfin, équipe Séville, li fait première victoire dans le championnat. Li bat Espanyol de Barcelone, 3 goals à 2. C'est un déplacement. N'a pas bleke, gen Martin Bressouet qui marque également. Monsieur marqué pour deuxième match li avec équipe Espoir de Barcelone. Non, mais ça pas suffi. Espoir de Barcelone tombé face à équipe FC Sevilla 3 goals à 2. Gagné et FC Barcelone en déplacement là gagné équipe Cadiz 4 goals à 0 et Frenkie de Jong, c'est lui même qui était venu ouverture score là, gagné Robert Lewandowski tabal à gravé score là en 65e minute de jeu, gagné Ansu Fati le jeune espagnol, li marqué à la 86e minute de jeu et puis gagné Ousmane Dembélé et qui et marqué à la 92e minute de jeu. Dans match ça qui te font petit campé. Gros campé même. Qui te font campé parce que gagné yon et fanatique. Un fan. Il y a problème Kajak. Oui. Un goalkeeper a vraiment donc qui fait une action héroïque. Médecin, un médecin Barcelone qui voyait et défilateur. Un défilateur balé. Donc ils font il a un sprint. Ya yeah, pour le sans l'air pour le arriver pour le voyer défilateur dans tribune et puis sous dernier goal là par contre sous goal là non et son frappe de Ousmane Dembélé mais à la vérité monsieur plongé ou senti que monsieur pas gagné moral encore monsieur démobilisé et d'ailleurs la presse espagnole a commencé à critiquer monsieur hein, mais qui pas au courant de fait qui est arrivé dans le match. Elle est et au courant de faire, yo excusé auprès des de ouais. Goalkeeper équipe et Cadiz. Parce que moi ça va tester gain tal défenseur. Oui, tester gain tal défenseur. C'est même dit que les nèg a fait un action ça donc qui vaut action ça vaut 1000 goals qu'elle prend, sauver une vie. Oui.
Donc c'est son bail extraordinaire. Son bail extraordinaire. Et puis on a continué avec Real Madrid qui gagne Mallorca 4-1. Jacques nous a dit là gagne Federico Valverde, mais juste avant gagne Muriqi qui était jeune ouvert du score là. Oui. Et de la tête. De la tête. Et Federico Valverde t'a pas égalisé dans minute additionnelle yo. Gagne Vinicius Junior 72e minute de jeu t'a pas bail avant à l'équipe Real de Madrid là. Rodrigo Goes 89e minute et puis Antonio Rudiger dans 93e minute de jeu. Gen Elche Lakali qui tombe face à Athletic Bilbao qui bat 4-1. Getafe gen Real La Société 2-1. Et Betis li bat Villarreal 1-0. C'est un bel match. Et puis dans le moment où on a parlé, là, gen Almeria qui a joué face à l'équipe Osasuna. Oui, c'est gardé pour nous. Ah, et Real Madrid c'est leader. Li gen 15 points de suivi de FC Barcelone. Ané à la m'senti la bachane. Bon, pas de problème. Continuez à partager live là pour nous. Nous avons 200 serveurs là, oui, coach. Là, bon, là. Et continuez à partager live là. Pour plus de monde capable de gagner accès à l'émission. Osasuna a mené un goal à 0. Merci, Wensé lui. Et équipe qui est 3e dans ces bêtises, qui gagne 12 points. 4e, c'est Villarreal. 5e dans ces Athletic Bilbao qui gagne. Et 10 points. Mais habiteur, c'est Robert Lewandowski déjà. Monsieur qui marque 6 goals pour 5 journées. Et puis deuxième, non, c'est Lago Aspas, joueur Celta de Vigo. Et bien, monsieur qui gagne 5 réalisations. Nous allons dans la Bundesliga, coach. Bundesliga, c'est 6e journée. Nous allons aller en Angleterre, pas de match. Pas de match. Match a été reporté. C'est deux qui gagne en Angleterre. Et deux, nous connaissons que Guerin Elisabeth 2. Qui passait de vie à trépas. Il y avait des débrèmes vendredi qui tombait face à Augsbourg, Yongol à 0. En samedi, il y a qui fait deux goals pour tout face à Bayer, le Leverkusen. TSG Hoffenheim bat équipe Mainz 4-1. RB Leipzig crasé Dortmund. Dortmund, son équipe. Même jamais, il y a Bayern Munich. Oui, on joue bon, on joue pas bon. RB Leipzig crasé Dortmund 3-0. Il y a Bayern Munich qui fait deux goals pour tout face à formation Stuttgart. Là. Et Gentel, 36e minute de jeu, monsieur qui vini, plus jeune joueur. Qui marquait dans la Bundesliga. Monsieur qui gagne seulement 17 ans. Et c'est joueur équipe Bayern Munich là. Et puis gagne Moussiala, 60e minute de jeu. Pour équipe Bayern Munich là. Gagne Eintracht Frankfurt à Cali qui tombe face à Wolfsburg, yon goal à 0. Gagne Schalke, 0-4, lui même qui bat formation Bochum, 3-1. Et puis hier, gagne FC Cologne qui tombe face à Union Berlin. A fait un bon début de saison d'ailleurs le leader en Bundesliga gagné Cologne un goal à 0 et puis gagné Fribourg qui fait un goal partout face à Borussia Mönchengladbach. Et classement comment lié après 6 journées de championnat. Dans première place en gagné Union Berlin qui gagne 14 points, deuxième Fribourg 13 points, troisième Bayern Munich 12 points, quatrième dans CTSG Hoffenheim qui gagne 12 points et puis cinquième c'est Borussia Dortmund qui gagne 12 points. C'est Niklas Füllkrug qui a mené classement buteur. Il s'est 5 réalisations la jeu dans Werder de Brême. Deuxième, c'est Geraldo Becker qui a 5 réalisations la jeu dans Union Berlin. Et puis, c'est Randall Colamouani, monsieur qui a gagné 4 passes décisives. C'est joueur Etra et Frankfurt. Et puis, coach, nous parlons de la série italienne. Non? Oui, hier. Avec Juventus et Salernitana, qui ont compris de Milik qui marque et. Goal, monsieur Tab joue en carton déjà. Monsieur qui marque à la 92e minute de jeu. Troisième goal. Là, il pensait que les bails jouaient tous. Et point 1, 3 points 1. Mais malheureusement, les habitants regardent dans VAR, ils consultent VAR. Ils ont annulé le goal là, mais le carton est toujours kembé. Oui, mais ça fait gros parler en Italie. C'est que je dis ballon goal parce que VAR fait une réaction. Hein? Mm-hmm. Parce que tu as gagné un défenseur dans Candiva. Et qui te couvre retiré au jeu. Qui retiré au jeu. Bah ça fait gros parler en Italie, gros tole en Italie. En pile parler et selon vous même et si n'a fonti logique et m'pa konnen ça qui écrit vrai dans protocole championnat, mais si n'a fon logique, est-ce que carton rouge là va la donner? Non, depuis le carton, bon, on est depuis pour Maïwa. C'est juste fait retirer Maïwa. Ça veut dire normalement. C'est pas le carton pour le coup de célébration. Sous ce salon, il est interdit pour retirer Maïwa. Pour retirer Maïwa. Mais qu'on a si nous t'as tenu compte de qui action qui conduit à retirer Maïwa. Ah, bah, comme ça, frère. Ah, bah, comme ça, nous, frère. Et pas ça. Bah, comme ça, nous, frère.
quand on garde nous fait geste là au fin retire maillot c'est maillot retire bon carton retire maillot ou prend carton ou prend carton ça arrive et Richarlison d'où en Angleterre oui monsieur chef pour lui même c'est il pas gain de carton son seul il gain il retire maillot font quoi retire maillot il prend là oui mais si c'était un jaune non et puis il va aller les gol là mais si c'était une autre action par exemple si c'était Andy si c'était une faute qui était faite par exemple nous qu'on ouais et gardien oui. Yo kon prend carton rouge oui. Et puis les va retirer le ça arrivé en Brésil dans Copa América donc mm-hmm. deux fois ba Alisson carton rouge mm-hmm. et retirer mm-hmm. et c'est comme ça normalement mais, de pour retirer carton hein, et de pour retirer maillot c'est carton ouais, c'est connait mm-hmm. même pas c'est t'as pas le tenir compte de et, oui c'est goal il fait non ou pas il a retiré maillot qui conduit à retirer maillot. Ou pas gagner retirer maillot. Ça est normalement pas doué retirer maillot. Ça dit monsieur bien et belle sanctionné carton rouge gambé prochaine journée monsieur pas dans match. Est-ce qu'on laisse Diego Forlan qui fait venir avec sanction ça hein? Monsieur terrain mais retirer maillot en pile. Retirer maillot en pile. Retirer maillot et puis absouquer là. Absouquer là et puis le match qu'on commence et puis maillot il doit tourner sur la bouche. Il peut gagner maillot tout non. Alors, il y a des gens qui t'ont parlé de Diego Forlán, il y a des gens qui ne savent pas qui est ce Diego Forlán. Je sais, Rigoué, ancien joueur Atlético de Madrid. Et il y a un meilleur tireur de coups francs qui était gagné à l'époque. Et monsieur était fini, meilleur but Coupe du Monde, c'était 2014, je crois. Nous ne pas songer juste mais si comme qui songer là il a dit nous pour nous donc pas songer mais sauf que nous songer monsieur était fini parmi une meilleure buteur coupe du monde et ça pas songer ça arrivé parce que nous en émission donc nous pas aller chercher à faire recherche donc mais pour songer belle génération Igwe et Diego Forlán tu gain Recoba à l'époque qui t'a joué dans Inter de Milan Alvaro Recoba et Luis Suarez était gagnant avec Luis Suarez gagnant Jack Godin et c'était une belle équipe mais malheureusement c'était 2010 merci et Lama et monsieur dit c'était Edouard Antoine merci Forlán défini meilleur buteur en 2010 c'était en Afrique du Sud Brésil n'est pas le Brésil qui était champion c'était 2002 Brésil déjà c'était l'Espagne champion 2010 l'Espagne sous la Hollande Diogo à 0 avec Andrés Iniesta nous songez ça nous comment ça est nous va regarder comment ça est dans série italienne dans coach et dans série italienne là c'était 6e journée n'a gagné spécial 1-0 gagné Inter de Milan qui gagné Torino 1-0 coach et puis gagné Sampdoria qui fait un goal pour tout qui perdit face à l'équipe Milan 2-1 et c'est tout ça qui t'est gagné et puis Juventus fait 2 goals pour tout face à Salernitana et c'est sous notre satou n'a mettre au point final avec première sortie émission proche au stade n'a dit tout le monde bonsoir rendez-vous demain pour Ligue des Champions demain pour Ligue des Champions